Ah, bonjour. Donc la punaise de lit a encore frappé, hein. Donc nous sommes dans un appartement très haut standing à Bruxelles. Et toutes les chambres sont infestées. Nous avons ici quatre chambres. Les quatre chambres sont positives à la punaise de lit. Donc on voit bien donc les couvre-lits avec quelques micro-taches de sang. Par contre, on n'a pas encore découvert de, j'ai pas encore découvert de punaise dans les environs. Pourquoi? Parce que c'est un phénomène récent et doté déjà du diagnostic. C'est pour ça qu'ils ont fait, que les propriétaires ont vite fait appel à nos services. Voilà donc ceci aussi, cette vidéo aussi pour expliquer que bon, donc ça ne touche pas que les petites gens. Ou les hôtels, hein, les hôtels miteux, ou les hôtels bas de gamme, moyen de gamme, c'est absolument faux. Ça touche tous les milieux, tous les secteurs, tous les types de logements. Ici, la preuve, hein, nous sommes dans un 300 mètres carrés dans les environs de l'avenue Louise. Voilà. Donc, on va faire le tour du propriétaire. Cuisine. Nous allons dans les chambres. Cette chambre est infestée. C'était positif ici. Alors, celle-ci est positive. Celle-ci est positive. Celle-ci est positive. Et la quatrième est positive. Donc celle-ci aussi est positive. Voilà, donc nous allons commencer le traitement. Donc nous sommes dans la première chambre de l'appartement de prestige. Voilà, alors vous voyez ici donc des premiers stades de punaise de lit. Ici c'est le deuxième stade, hein. Le tout premier est juste au-dessus, là. Donc ici. Alors nous en avons ici et là. Ouais, c'est déjà assez sévère. C'est déjà assez sévère. Ça doit être plus d'un mois que ce problème. Vous voyez ici, c'est les matières fécales, hein, les petits points noirs là. Et on voit déjà que c'est partout, hein.
Ok. Donc ici nous sommes dans la chambre des parents et c'est ultra positif, hein, donc vous voyez bien, adulte, première mue, troisième, quatrième mue, tous les stades sont présents. Hein. On a encore une ici. Troisième mue. Ici, une femelle. Voilà. Une femelle en train de pondre, je pense. Ouais, vous voyez, donc ça touche pas que les pauvres. Hein. Et de nouveau, le lobby des hôtels va nous dire, ouais, mais non, ça n'existe pas. C'est une légende d'Internet véhiculée par des bouffons, hein, comme nous. Allez, passez un bon week-end.